à l'italienne. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, j'ai la pêche, il fait beau, c'est trop bien, j'ai repris mes vidéos. Voilà, tout va bien, je suis en pleine forme. J'espère qu'également vous avez la forme. Et nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo unboxing, mes derniers achats. J'ai pu passer pas mal de commandes depuis ce confinement puisque j'ai eu le temps de faire des commandes et donc je voulais vous montrer tout ça, vous en parler. Donc je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas énormément de choses mais il y a des nouveaux produits que je voulais tester, que j'avais énormément vu sur les réseaux sociaux, tatati tatata. Donc ça m'a donné envie du maquillage comme d'habitude et des soins aussi cheveux. Et bah écoutez, on est parti pour cette vidéo, let's go, restez là. Alors, on est parti, comme vous pouvez voir, je vais tout renverser dans 2 secondes, voici mes derniers achats. Donc, par quoi je vais commencer? Ma petite pochette? Non, on va commencer par les plus gros, ça sera plus facile. Si jamais j'ai passé commande, certains produits sont arrivés en combien de temps? 10 jours, il y en a un petit peu moins. Franchement, j'ai eu aucun problème pour les livraisons, mais aucun. Donc, j'ai reçu un colis de Pixie. Oui, j'adore Pixie, je reçois toujours leur colis et franchement c'est des amours parce que j'adore leurs soins. C'est vrai que j'en parle régulièrement des produits Pixie que je teste beaucoup et vous êtes beaucoup à me demander les produits que j'adore et pourquoi ici et là. Je sais que vous venez beaucoup en message privé sur Instagram et je vous en remercie. J'ai reçu, j'ai pas pu résister à l'ouvrir, hein. Je suis désolée, j'ouvre avec vous mais j'ai pas pu résister de l'ouvrir. Oh, elle est trop belle. Alors je vous montre, c'est une magnifique petite trousse franchement. Et regardez comme elle est belle cette trousse, trop magnifique. Ou en fait il y a toute la nouvelle collection de Pixie. Donc, je vous montre ça. Déjà, ça se présente comme ceci. C'est juste trop beau. Avec écrit... Alors, attention, 2 petites minutes pour l'anglais. Dear Charlene, time to get your dream skin on your retinol and jasmine. Infused skin trait will take you. Nanana. Qu'est-ce que vous en pensez de mon accent? Bon, bref. Arrêtons les bêtises. Comme vous le savez, on entend énormément parler de Pixie sur les réseaux sociaux, notamment leur fameuse lotion glow tonique que j'adore. Voilà, c'est une best-seller de chez eux et c'est vraiment une lotion que j'affectionne tout particulièrement. Faut savoir que celle qui a créé en fait la marque Pixie, juste en gros, hein, entre parenthèses, elle s'appelle je crois Petra Strand et c'est une make-up artiste qui a créé la marque Pixie. Voilà, elle s'est beaucoup dirigée vraiment dans le skincare, hyper connue parce que c'est une marque anglaise, que vous retrouvez dans le quartier branché de Soho. Voilà, si jamais, c'est la petite info. Et en fait, Pixie se positionne comme vraiment une marque qui prend en fait soin de la peau. Ils ont vraiment voulu faire une gamme. Toutes les gammes qui sont sorties, c'est vraiment pour prendre soin de la peau, pour avoir de l'éclat, pour avoir ce côté frais, l'hydratation. Donc, ils ont fait plusieurs gammes qui correspondent à plusieurs d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez testé ou pas. Sachez que c'est des produits cruelty free chez eux et je trouve que les prix sont très, très abordables. Donc, en fait, la gamme Retinol Jasmine... Ils m'ont envoyé toute la collection, c'est des amours, j'ai tout dedans. Donc en fait quand ils vous envoient généralement les produits chez Pixie, ils positionnent en fait dans l'ordre où vous allez commencer en fait votre skincare en fait. Et je trouve ça hyper sympa, le concept hyper bien et toujours très très bien présenté. Mais la trousse elle est trop belle, elle va me servir. Bah c'est typiquement anglais, voilà, je trouve vraiment le truc typique londonien en fait. Ils ont fait vraiment une gamme qui permet on va dire la régénération cellulaire puisqu'il y a vraiment tout ce qui est jasmin et rétinol. Donc en fait dedans nous avons, je vais quand même sortir les produits pour vous montrer et vous dire un petit peu en gros ce que j'ai reçu. Nous avons un nettoyant lissant qui a l'air vraiment trop trop bien. C'est une crème nettoyante hydratante enrichie en vitamine A, rétinol, antioxydant et céramide et limite toutes les impuretés pour une peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus ferme. Ils font à chaque fois dans leur gamme, j'ai remarqué, un nettoyant. Ça, c'est top. Ensuite, bien sûr, on continue. Ils ont fait la rétinol tonique. Donc, bien sûr, dedans, vous avez du fleur de jasmin tonique lissant qui est en 100 ml. Je pense qu'il peut-être qu'ils la feront en plus grosse contenance. Pareil, antioxydant puissant. Donc ça, vous l'utilisez matin et soir ou vice versa comme vous désirez. J'ai hâte. Attendez, il faut que je sente l'odeur, mais je n'ai pas enlevé encore le plastique. Mmh. Oh j'adore, oh j'aime trop, j'ai hâte de la tester vraiment. Donc la petite lotion, j'ai reçu également une huile restauratrice d'éclat, voilà, en forme de pipette. Je sais que tous leurs produits, tous leurs sérums, il y a une petite pipette dedans avec le flacon.
Et ils nous mettent pour cette huile restauratrice, elle est particulièrement efficace pour aider la peau à retrouver hydratation, éclat. Et elle apaise également les peaux fatiguées et les teints brouillés. Tout ce qu'il nous faut. Trop bien. Utilisez tous les jours, matin et soir apparemment. Et il faut réchauffer quelques gouttes dans la main. Voilà, en fait, ça va vraiment vous permettre, cette huile, de régénérer la peau, de la booster et puis d'enlever ce teint terne qu'on a le matin. Franchement, trop trop bien. Ils ont mis également celle de nuit, huile lissante par contre. Et c'est une huile dedans qui améliore l'apparence des ridules, des pores et la rondeur de la peau. Ah ouais. L'huile permet d'apaiser et uniformiser le teint de la peau. Trop trop bien. J'ai vraiment hâte de tester. Il y a des peptides, céramides. En tout cas, j'ai hâte de tester cette gamme. Et on a également hydratant lissant dans un petit format comme ça. Faites voir. Alors ils nous mettent qu'en fait c'est une lotion hydratante lissante, à la fois crémeuse, antioxydante riche, on a une apparence beaucoup plus jeune, ça serait trop trop bien, vitamine A, huile de jasmin et peptides, qui va permettre en fait d'adoucir, de nourrir en profondeur la peau. Donc écoutez, à y mettre, à utiliser quotidiennement ou si nécessaire. Je testerai également. Et en dernier, ça m'intéresse parce que c'est un truc pour les yeux. Alors franchement, moi je fais hyper gaffe à mon contour de l'œil, vous le savez. Et franchement, prenez soin de votre contour de l'œil, je vous le dis, c'est super important. Crème lissante pour les yeux, Retinol Ice Cream, qui permet d'améliorer l'élasticité de la peau si délicate autour des yeux. Oui, est-ce que vous savez que c'est la partie la plus fragile en fait de notre visage? La peau est très très fine, donc c'est pour ça. Et aspect super nourrissant, cette crème restaure, renouvelle et aide à réduire l'apparence des pores. Oh, trop bien, j'ai vraiment trop trop hâte. J'aime bien au niveau du packaging, on sort un petit embout. C'est bien, ça me permet en fait de pas trop mettre de produit, parce qu'un contour de l'œil, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Je vais remettre tout dedans, comme ça après je rangerai. Mais la petite trousse, c'est trop cute. Franchement, c'est des amours. Donc voilà pour Pixie. En tout cas, je suis trop contente. Bien sûr, je vous ferai un retour sur les produits. Ça, c'est clair et net. Voilà pour ce premier colis. Ensuite, j'ai reçu un deuxième colis. Donc ça, c'est moi qui ai passé commande. Comme vous voyez, plus d'extensions de cheveux. Enfin, c'était des extensions à clip. Mes cheveux ont énormément poussé grâce à la gamme Kérastase, la gamme extensionniste que j'ai utilisée pendant pas mal de mois, qui m'ont fait un bien fou et que j'adore Kérastase. Franchement, c'est une gamme qui me correspond parfaitement bien. J'ai voulu changer parce que j'ai vu, ça fait un moment que je me tâtais et que je voulais commander sur son site et qu'il y a vraiment des très très bons résultats. Vous êtes même venu en message privé, je vous avais posé les questions et vous m'avez dit quelle gamme prendre. Donc si tu passes par là, ma belle, merci infiniment pour tous tes renseignements, tes conseils sur les produits. J'ai commandé sur le site de Myriam K. Je pense que vous la connaissez, elle est sur Instagram, elle a son propre salon à Paris et elle fait toute une gamme pour les cheveux, pour tout type de cheveux, des gammes de fou quoi. Sur son site, à chaque produit, elle met une vidéo qui explique comment utiliser le produit. Alors, je vous montre, j'ai commandé toute une gamme chez elle. Franchement, le colis est arrivé assez vite. Myriam K, c'est trop mignon. Alors, j'ai choisi la gamme Soif de l'or. Je sais que la gamme Soif de l'or est pour les cheveux, comme ils disent, cheveux secs, enrichis à la fleur d'immortel. Donc, j'ai pris le shampoing. L'odeur, elle sent, ça sent vraiment trop trop bon. J'ai hâte, je ne l'ai pas testé encore le shampoing. Oh, ça sent trop trop bon. Vraiment, ça sent trop trop bon. J'ai lu le Big Air, mais les gélules Big Air étaient en rupture. Donc il faut que j'attende, je crois que ça revient vers le 13 mai. Donc je vais me faire une cure, je crois qu'elle a une cure de 3 mois. J'ai également pris le spray pour cheveux secs. Alors ça, je l'ai essayé, je l'adore. En fait, c'est une lotion qui vous permet d'y mettre, fini la corvée des cheveux indisciplinés. Quelques pulvérisations de ce spray faciliteront votre coiffage. Donc vous pouvez le mettre sur cheveux secs ou cheveux humides. Voilà, et ça vous rend les cheveux beaucoup plus brillants. Du reste, je vais m'en mettre un peu, j'en ai pas mis aujourd'hui. Je l'adore, ça se présente comme ça en spray. Et l'odeur, l'odeur elle est divine, vraiment. Franchement, top de chez top, vous m'avez recommandé ça. Donc c'est un soin capillaire sans rinçage, enrichi à la kératine hydrolysée. Donc ça, je pense, ça va m'accompagner durant ma routine. Et j'ai pris bien sûr un masque. Et celui-là, je l'ai testé, je l'adore déjà. Le masque ombré Full Restore, qui était pour les cheveux abîmés. Il m'est idéal pour l'entretien d'ombré, balayage, mèche, décoloration, défrisage. À la provitamine B5. Il est fantastique ce masque. Je l'ai testé, je l'adore. Oh, franchement, il m'a laissé les cheveux hyper doux. Après, je vais voir sur plusieurs utilisations, parce que comme ça, je peux pas vous donner vraiment un avis. Vous me direz si vous avez testé les produits de Myriam K, quelle gamme vous me recommandez, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, qu'est-ce qui a marché le plus. Comme ça, j'aurai un avis sur les produits, parce que moi, c'est la première fois que je teste les produits. Et honnêtement, j'ai trop hâte d'avoir les résultats. Enfin, j'ai vu énormément de bons retours sur ces produits. Vous m'avez même dit en commentaire qu'il y en a qui ont retrouvé en fait une bonne masse de cheveux, enfin, au niveau de la brillance, tout ça. Donc écoutez, on verra. Voilà. Mais en tout cas, je sais que ces produits marchent énormément bien et qu'elle a souvent des ruptures. Donc voilà pour cette gamme là, j'avais trop envie de me commander des produits pour les cheveux, ça fait un moment que je voulais, et puis changer un petit peu de routine. Mais elle a des excellents produits hein. Ensuite,
ma cosmétique. J'ai commandé la toute nouvelle collection bronzer. On vous avait fait un live avec Claudia pour vous présenter la nouvelle collection qui est absolument sublime. Je vous montre ma commande MAC. Je me suis un peu lâchée, c'est normal. Le nettoyant à pinceau, je peux vous garantir que c'est une tuerie. Pas cher et vous êtes quand même sur 235 ml de contenance, donc ce qui est énorme, et il nettoie super bien les pinceaux. Franchement, j'adore ce nettoyant à pinceau et à chaque fois je le rachète. Donc ça, c'est obligé parce que j'avais plus de nettoyant à pinceau. Ensuite, j'ai pris la brume fixante Bronze Light. Je l'adore. Donc en fait, c'est une nouvelle fixe, alors qui est en édition limitée. La collection que je vous montre là, édition limitée, donc ne tardez pas si un produit vous intéresse. On est vraiment sur une brume qui va apporter ce côté vraiment glow pour le coup. Un peu plus de paillettes que l'avant-dernière qu'ils avaient fait, la Gold Light. Celle-ci, elle a beaucoup plus cet effet glow. Si vous aimez les paillettes, foncez, parce que ça se voit quand même un petit peu. Enfin, moi, pour le coup, je trouve que ça se voit, mais ça reste quand même subtil. Elle est trop belle. Ça fait cet esprit bonne mine. Vous voyez ce que je veux dire? Je la surkiffe. Franchement, je l'adore. Donc ça, vous la mettez à la fin de votre maquillage. Vous avez vu les packaging, comme c'est trop beau. Franchement, MAC, ils ont assuré pour cette collection, mais vraiment assuré. Je me suis pris ce produit qu'il vous faut absolument, les amis, le Strong Face Glaze, en teinte Magic Hour, en fait, qui est un illuminateur multifonction. C'est top parce qu'en fait, quand vous le mettez, en tant qu'highlighter, ça ne vous fait pas de traces comme la poudre. Ça a vraiment un effet naturel. Vous pouvez le mettre sur les yeux, sur le corps, sur le visage. Vous êtes sur une contenance de 15 ml, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce qu'il donne vraiment cet effet glow, mais vraiment magnifique. Cet effet glow, mais vous savez, cet effet glow naturel. Ce produit, il est absolument magnifique. Il se décline en plusieurs couleurs. Je vous assure, le produit, il est juste au top de chez top. Vous l'emportez partout. Le bronzer. Alors, le bronzer, oh my god. J'ai pris la teinte Totally Topless, puisque comme je suis très bronzée, la teinte beige ne serait pas vue. Voilà. Il existe deux teintes chez eux. Le packaging est trop cute. J'adore. C'est vraiment l'esprit bonne mine. Vous voyez, l'esprit soleil, quoi. Je l'ai déjà utilisé. J'ai pas pu résister parce qu'on l'avait testé en live avec Claudia. Et vous êtes sur un bronzer mat, mais qui n'a pas ce sous-ton orangé. C'est pour ça que j'adore. Il est trop beau. La tenue, elle est excellente. La texture et tout. Ça se travaille très bien. C'est une texture un petit peu crémeuse. Donc, je l'aime beaucoup. Encore un bronzer. Enfin, j'en ai pas assez, les bronzers. Mais bon, la collection en édition limitée, je pouvais pas résister. Je me suis pris aussi eyeshadow dans la gamme Folled, qui est la teinte Monaco Co. Oh, leurs fards sont juste sublime. Ils se présentent comme ça. Ils ont vraiment revu leur packaging et c'est pour ça que j'ai adoré. Donc je sais pas si vous verrez la teinte, mais je pense pas. Toutes les teintes qu'ils ont fait là pour l'été, c'est vraiment des teintes que vous pouvez porter. Les mélanger entre elles et tout. Oh, j'aurais dû prendre, il y a le Saint-Tropez, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a un violet, vous avez un cuivré, vous avez un doré. J'ai pris un rouge à lèvres, j'ai pris à la plage. Un nude, le nude parfait qui est canon aussi. Alors c'est dans la gamme lustre. Il y a plusieurs gammes chez MAC. En fait, vous n'êtes pas sur un mat. C'est une texture très agréable, hydratante. Les rouges à lèvres de chez MAC, sachez qu'ils sont hydratants, et ça fait un petit peu entre l'effet un peu glossy. Vous voyez, c'est très joli, il est magnifique, je l'aime trop ce nude, vraiment trop trop beau. J'ai pris bien sûr le pinceau qui va avec. Pinceau, il est top en fait pour faire du contour, pour faire un petit peu votre contouring, pour réchauffer aussi votre visage avec votre poudre bronzante. Et il vous permet aussi également, ce pinceau, d'appliquer votre fond de teint. Le 143S qui existe, c'est jusque là, ils l'ont fait en version comme ça. Vous voyez, ils ont changé en fait le packaging. Il est trop trop bien, le poil il est exceptionnel, moi je l'adore, j'adore. Donc voilà pour le pinceau, je vais le mettre avec les autres. J'adore les pinceaux de chez MAC. Je vous assure, les pinceaux de chez MAC sont exceptionnels. Un autre pinceau, il est trop bien celui-là. Alors celui-ci, c'est un pinceau qui permet de mettre votre anti-cerne. Et celui-ci, le fait qu'il soit un peu en dôme comme ça, vous permet d'avoir beaucoup plus de couvrance pour camoufler en fait vos petites cernes. C'est le 270S qui est trop bien. Il y a plein de pinceaux chez MAC pour camoufler qui sont trop trop bien. Mais celui-là, je l'ai pris parce que j'aimais bien la forme. Et ça me permet en fait de bien camoufler sans mettre trop de matière. Vous voyez, il est génial celui-ci. Donc j'ai commandé un autre pinceau. Ensuite, je me suis pris un gloss Aya Nakamura. Pareil, c'est un brillant à lèvres. Je l'ai pris parce qu'en fait, ça me permet de les mélanger avec mes rouges à lèvres. Il est trop beau, je l'aime trop. Voilà, le truc qu'il faut toujours avoir. Donc voilà, celui-ci, je le trouvais très beau. Il existe aussi d'autres couleurs de gloss dans la nouvelle gamme de chez MAC. J'ai pris un contour de lèvres, le Lip Pencil, c'est la teinte Cork. Contour de lèvres, il y en a plein, je les adore.
Et il m'en fait la nôtre un peu dans les teintes un peu marron. Donc ouais, le cork il est juste trop trop bien. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je sais pas si on peut voir la teinte ou pas. C'est un marron un peu soutenu. Et moi je le mélange avec mes rouges à lèvres. Dans une autre gamme de chez MAC, c'est pas la nouvelle collection, qui était juste avant. Celui-ci. Oh my god, c'est donc le Extra Dimension Skin Finish, le Hot Damoiselle d'Avignon, qui est un highlighter de malade. C'est les nouvelles gammes, je vous assure, foncées comme les blushs. Vous êtes sur un highlighter entre le, ouais, on va dire or rose, mais juste sublime. La texture, elle est incroyable, une texture hyper crémeuse. Il a une super bonne tenue, je l'adore. J'ai déjà utilisé parce que je n'ai pas pu résister en fait. J'adore le packaging, t'as envie de plonger le doigt dedans. Si vous avez des questions concernant les couleurs, concernant pas mal de choses, n'hésitez pas à venir en commentaire, vous le savez. Je suis toujours ravie de pouvoir vous aider. Mais celui-ci, il est trop trop beau. J'ai craqué. Je pense qu'on a fini pour MAC, c'est déjà pas mal. J'ai fait une commande Bali Body. J'adore les produits Bali Body. Parce que j'ai testé donc les huiles bronzantes, cacao, noix de coco, le truc qui te fait rêver. En tout cas, franchement, j'adore leurs huiles. Et j'ai voulu tester chez eux la bébé crème, parce que je suis moi, vous savez, sur des fonds de teint couvrants, je porte presque plus rien, je porte vraiment un truc très léger en fond de teint comme le Face and Body de chez MAC en ce moment, et on m'a dit que la bébé crème de chez Bali Body était juste trop bien, et donc j'ai voulu la prendre. Il paraît qu'elle donne un glow de malade, elle est hyper hydratante, donc je me suis lancée et j'ai pris la teinte Tan, parce que la teinte juste avant, elle me paraissait claire, et en voyant les swatchs, je me suis dit, vu que je vais encore bronzer cet été, comment te dire qu'il me faut quand même la teinte Tan. Et j'ai bien fait parce que j'ai testé et elle a l'air trop bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Petit packaging hyper cute, 35 ml, donc il y a une protection dessus. On est sur un SPF de 15. J'ai trop envie de la tester. Et l'odeur, oh my god, l'odeur elle est trop divine. Et dans cette bébé crème, apparemment ça vous apporte du glow, parce que Bali Body sont beaucoup sur le truc lumière, tu vois. J'ai hâte, vous me direz également si vous avez testé, est-ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je vais vite la tester, je pense, dès demain je vais la tester. Donc voilà, petite bébé crème qui va m'accompagner tout l'été. Et quoi d'autre? Ah ouais, Coconut Lip Balm, SPF de 15, un lip balm à la coco. Attendez, j'ai pas senti l'odeur. Faut que je sente, absolument faut que je sente. J'ai pas encore senti le produit, je l'ai pas encore testé ça. Allez, sort, pourquoi sort pas le produit? Ça va m'arriver dessus en pleine figure. Putain, attendez, il y a un problème. Ah non, hein? Ah si, ça sort. Oh my god, ah, ça sent trop bon. J'aime bien la texture, c'est pas collant par contre. On n'est pas sur une texture collante. Ça a l'air hyper hydratant. Écoutez, je testerai le Lip Balm Bali Body. Ça va bien m'accompagner. Trop mignon mon petit paquet. Et j'ai commandé une autre chose. Alors ça, on verra. Ça, je sais pas. J'ai voulu prendre Bali Body Highlighter. C'est un highlighter en stick. Écoutez, la petite retouche qui peut être sympa quand vous avez dans le sac, au lieu de prendre votre highlighter, votre pinceau, votre truc, le truc qui te gonfle, tu vois ce que je veux dire. Écoutez, à voir, il y avait plusieurs couleurs. J'ai dit pourquoi pas. Attendez, je vais ouvrir quand même pour tester. Petit embout comme ça, comme pour l'anti-cerne. Ouh là 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 là. Attendez, faut que je teste. Bon, j'avais déjà un petit peu d'highlighter là que j'avais mis. Alors par contre, ça a l'air hyper pigmenté. Trop bien. On en reparlera, je vous ferai des swatchs également sur ma page Instagram, en story et tout. Mais je trouve le truc trop bien. Il y a plusieurs teintes. Je sais pas, j'ai pris la teinte Moonlight, qui a l'air, qui était en fait un doré. Hein. J'aurais pu prendre un peu plus foncé, peut-être. Non, ça a l'air trop bien. Oh, trop bien ce petit stick. Écoutez, on verra. S'il tient bien, je vous ferai un retour là-dessus. Et on termine avec un dernier colis. Petite pochette noire. Alors, j'ai fait ma première commande chez eux. Pelouise. Ça me faisait de l'œil depuis un long moment, parce que tout le monde en parle, Marion Caméléon, enfin toutes les youtubeuses, make-up artistes, tout ça. Et j'ai dit, allez, faut que je teste parce qu'il y a tellement d'engouement autour de cette base. Il faut le dire, elle est vraiment top. Je l'ai testé, j'ai pas pu résister. Et donc, j'ai passé une commande. J'ai pris 3 bases. J'aurais dû prendre les bases de couleur. J'étais bête, il existe des coffrets, mais je pense que je vais repasser commande puisque je fais beaucoup plus de make-up coloré, comme vous pouvez voir. Faut savoir que la teinte 02 est la teinte universelle chez Pelouise. Ça se présente comme ceci. Franchement, vous avez vraiment pas besoin d'en mettre trop, mais vraiment, elle est trop bien. 15 ml, la numéro 2 et la numéro 3. Je sais que chez Pelouise, ils se réfèrent, enfin leur numéro 2, 3 et ainsi de suite, ils se réfèrent aux teintes du fond de teint de chez MAC, comme NC30, NC25, donc tout ce qui est NC25, NC30, c'est à la numéro 3. C'est pour ça que je l'ai pris. La numéro 2, on est à peu près pareil. NC15, NC20. Il se réfère à ça. Je trouve ça nickel. Franchement, trop trop bien. Mais vraiment, si vous avez besoin de tester Pelouise, prenez la 2. C'est la universelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est un petit peu plus foncée, la 03. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Je pense qu'il va me durer un petit moment. Et je l'ai pris en très gros, base pro comme ça. 30 ml. Donc pour le moment, je ne vais pas repasser commande pendant un moment. Et c'est pareil, ils mettent Taking Our Makeup to Pro. Et pareil, c'est la 2, donc c'est la universelle que j'ai pris. Je l'ai pris en toute grande. Donc je pense que ça va me durer un
un long moment, mais j'adore. Mais je sais que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces bases là pour vraiment celles qui font des make-up beaucoup plus prononcés, et tout ce qui est cut crease, tout ça. Ils ont vraiment des bases qui sont spécialisées pour les bases de couleurs, qui en fait c'est une base aussi qui permet d'intensifier vos fards. Le fard est beaucoup plus intense, et ça c'est véridique parce que moi je l'ai vu avec mon make-up d'aujourd'hui. Quand vous mettez une base plus classique et la base de Pelouise, l'intensité elle est juste incroyable. Vraiment, je suis hyper contente d'avoir commandé ces bases. Alors honnêtement, je trouve pas que j'en ai eu pour trop cher, puisque j'ai utilisé le code promo de Marion Caméléon qui me donnait 15%, non 10%, que je dis pas de bêtises. J'en ai eu pour 44 livres, ce qui fait un petit peu moins de 50 euros je crois, à peu près dans ces eaux là. Franchement, hyper raisonnable pour 3 bases, sachant que j'en ai pour un moment, et je vais me commander aussi toutes les bases de couleur. Mais ouais, je suis super contente. Vous me direz en commentaire si vous avez les bases colorées, ce que vous en pensez, quelles sont celles que vous me conseillez. Vous me direz, parce que je suis vraiment ravie de l'avoir commandé. C'est arrivé en combien de temps j'ai reçu les bases? Oh, bien 10 jours je crois. Super contente de mes petits achats, honnêtement trop contente. Et voilà les amis, on a terminé avec cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. Je trouve hyper sympa de faire ce genre de vidéo, de vous montrer en fait nos derniers achats, ce qu'on en pense et tout. Et ça vous permet aussi de découvrir de nouveaux produits, en tout cas moi, tous des nouveaux produits que je n'ai pas encore testés, donc je pourrais vous faire un retour là-dessus. Et surtout, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des produits que vous avez utilisés? Dites-moi tout ça, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous tente le plus? Bien sûr, si vous avez besoin de renseignements, je suis là, n'hésitez pas à m'écrire en ou sur Instagram ou ici en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, plein de petits pouces bleus, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est gratuit, c'est juste là, vous avez juste à cliquer, et également d'activer la cloche ici pour les notifications. C'est super important parce que je sais que des fois on reçoit pas les notifications, donc activez bien la cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'étais hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bon courage à ceux qui vont reprendre le boulot. On est super contents. Moi la première. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao à tous. We'll be right back.